Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Chrono Cross. Live. Sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! On avait une bonne raison de prendre ce qui allait dedans. Si vous voulez récupérer le contenu de ce coffre, venez sur l'île des damnés avec le commandant Mr. Flight. Signé Ansel Cayenne. Hey, Arrow Julien, comment ça va? Ça fait longtemps. Ça va, merci.
fais? Et qu'est-ce que tu joues dernièrement? Je commence juste aujourd'hui, mais ça fait plus de 40 heures que je mets dans le jeu. Ah, Tiny Tina, je l'ai terminé ce jeu-là. J'ai pas fait toutes les quêtes secondaires, là, parce que je m'aurais suicidé avant, mais... L'histoire est quand même bonne. Le dernier boss, c'est pas facile, mais... Non, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Tu viens où déjà, Julien? J'ai découvert un mystérieux objet en bas, mais il est défendu par un horrible monstre. Bon. J'ai beau le frapper encore et encore, il ne branche pas. J'ai même essayé des éléments, certains fonctionnent, d'autres non. Bon. France. J'ai rendu que la mémoire courte, je commence à croire que je fais de l'Alzheimer. Un coffre. Ah, c'est une affaire arc-en-ciel en plus. C'est bon, c'est les affaires arc-en-ciel, c'est pour faire les dernières armes. Le problème, c'est qu'il faut plein d'autres matériaux qui est rare pour le faire autour, mais c'est bon. On va tester un peu. Il y a un fusil. Et on a combien de temps à peu près où dans Tiny Tina Wonderland? Je m'en vais dans l'eau, mais j'ai pas de feu. Ça frappe pareil. Non, toi, qu'est-ce que t'as? Ah, tu refais un perso, tu recommences. Explosion stellaire. L'attaque du niveau 2. On va voir ce que ça fait. Mon dieu, ouais. Goldorak, tabarnak! Ah, ouais, ouais, exploser la séance, c'est pas mal les bons mots. Putain. Ah ben oui, bouge pas, saute dans ma face. Rapporter 500. Ah! Bon, il y a un monstre là.
Un autre arc-en-ciel. Bon, je peux pas aller dans le milieu, c'est l'affaire. Ah, faut y aller par ici. Bon. Ok, y a pas de bonjour, nanana, c'est je saute dessus. Ok, stratégie. Zéro. Ça fait pas beaucoup, mais ça m'agit, là. C'est pas bon en swing dans le vide. Zéro. À vous. Ok, zéro, zéro, zéro. Y a-t-il des éléments qui frappent au moins? Zéro pareil. Zéro. Ok. Là, si mes éléments frappent zéro, je vais être mal à manger, là. What? Ok, là, je sais plus. Moi qu'il y a juste un élément qui frappe de quoi, mais là je sais plus c'est quoi. Et là je suis mêlé. Là. En vrai j'ai pu. J'aurais dû regarder sur internet peut-être, parce que là je suis mêlé. Zéro. Ouais, mais j'en ai pas mis, c'est ça le problème. J'ai pas d'éléments. Lui, il y en a. On va voir. Zéro. Le feu, je sais pas où je vais en aller. Des combats automatiques, je vais vérifier parce que là ça n'a aucun sens. Chauffe l'air. Oh! C'est le feu! Tu es obligé de défaire mes éléments. Et tu vas faire mal. La croix du temps, élément perdu depuis longtemps et représente le septième. Non, on va le mettre, ça. Je savais même pas qu'on pouvait pas le mettre. Hein?
pas quelque chose que je pourrais mettre. Tout viendrait uniquement le rouginé, bloc tonné. Non, c'est pas ça. Volcan. Rouginé, ça veut dire. Ah, oh, étuve. D'autres feux. Affaiblissement. Renforcement. Moi j'ai des salves de lave. J'ai d'eau plus faible au moins. J'en ai vu plus bas, là. Colonne de feu. Bon. Bon, magma. Là, ça me tanne de tout changer, mais je veux pas trop changer mes affaires. Mes deux étuves à elle. Wow, toi, j'ai pas fini. Ah, il y en avait. Pourquoi il y en avait, lui? Recharge. Récupère les éléments rouges pour les réutiliser. Multiplier temporairement. Exaltation, multiplie temporairement le dégât. Pas à toi faire ça. Bon, après moi j'en ai assez là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon. T'as quel âge déjà, Hero? Bon, on y va. Et tu? Ah ouais? 270, c'est bon ça. Et on va essayer la salve de la. Hey, il y a des points rouges qui se rajoutent. Je me demande s'ils changent pas d'éléments après, puis là je vais être fourré s'ils changent d'éléments là.
Surtout que je sais pas moi là. Tant. Oh, il est presque mort. Ah, c'est une bonne magma celui. Ah, fini. Fini. Facile. Ah, on n'a pas eu besoin de garder sa tornette. Wow. Le vaisseau n'est pas cassé dans ce monde. Matador est content. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a de l'air ici? Oui. Le vaisseau crée un champ de force spéciale. Matador pense que dans l'autre monde, son vaisseau est cassé et les pièces sont sous terre. Mais elles marchent. Oui, c'est ouvert. Bon, allons voir. Super. Tout est intact. Le système de navigation est opérationnel. Et Matador a toujours son lit douillet. Nous pouvons aller à la tour de Terra avec ça. Le vaisseau est juste assez grand pour Matador. Comment on fait alors? Matador va tout arranger. Le moteur est un peu vieux, mais il marche bien. Oh oui, ça. Ça va pouvoir servir. Matador doit pouvoir récupérer d'autres trucs. Matador revient tout de suite. Doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dispositif antigravitationnel. Fixez-le à votre bateau et il vous amènera vite à la tour de Terra. Il faut juste un endroit où l'installer. Je me rappelle avoir vu un quai à Chronopolis. Parfait, en route pour Chronopolis. Voyons. Maintenant, on a besoin de ça. Et de ça. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Hey, il suffit juste de charger ce truc sur le bateau, hein? Ne dis pas de bêtises. Il faut attacher un stabilisateur comme ça, le mécanisme giratoire est sous contrôle. Je comprends rien, mais perds pas de temps, ok? Au travail. Voilà, Matador a terminé. C'était pas si compliqué, pas juste eu le charger sur le... T'as juste eu à charger sur le bateau. Négatif. Il se met à l'envers. Bah. Jeff, je pensais pas que notre rencontre provoquerait tout ça, et toi? Pourquoi naissons-nous? Pourquoi vivons-nous? C'est ce qu'on va découvrir par nous-mêmes.
n'y va pas encore, calice. Allez, grouille. Ok, mais reviens-en. Ok. Il y avait une sauvegarde, tu sais, avant, elle a disparu. Allez, caribou, allons-y. Ah ben là, c'est toi, tabarnak. Bon, pas aller nulle part. Faut rien que choisir les personnages. On y va, on y va. C'est parti. Oh, une cinématique. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait refait les cinématiques pour le remake. Comme, vous avez pas fait un remake, vous avez pris le jeu et vous l'avez adapté à la console. C'est ce qu'ils ont fait. Tous les éléments sont partis, c'est le fun. Salamandre. Ok. 99, moi c'est où? Attends. Ah, je viens de catcher quelque chose aussi. Bien sûr, Turbo, voyons, on travaille pas, toi? As-tu cassé un bras? Il t'a collé cette... Ah! Oh. T'es sérieux, toi? Pognez ça où, calice? Tu es le seul qui est là ou les autres là aussi?
Ouais, deux sur comment? Deux sur quatre? Est-ce que là, t'es rendu, t'es prêt à l'hôtel tout seul? Ah, t'es chez vous de nouveau! Toi pis l'autre gars, vous êtes parti. Caroline, dans 30 minutes, si tu veux jouer... Les terres ocres se sont asséchées et flétries. Souhaitez-vous vraiment choisir la destruction? C'est un combat. Pas de trouble. J'avais pas dit si ta piège, je suis dans la merde. Bon. Oh, pas pouf. Pas de troupe. Bon dodo. J'ai pas assez d'éléments pour remplir d'énergie. Là. C'est toute l'eau qui a mes éléments. C'est de nouveau, là, mais...
Et calme-toi, là. Calice. Ça m'aide pas, ça. Ok, là, si je peux pas frapper mes éléments, ça marche pas, là. Qu'est-ce que ça fait? J'aurais dû lire avant d'utiliser.
Quelqu'un de toi. You? Yes. C'était compliqué, mon Leu. Oh, j'ai pas vu. Oui.
Wow, ça donne de l'énergie. Salut, ex-Genja. Ex-Genja. Ok, ça marche pas, eux autres. Toujours là, Julien? N'oublie pas de me dire bye, mais tu t'en vas, là. Ah, oh, je peux aller là, j'ai pas vu.
Il y a une porte là-bas. What's up, ex-Genja? Thank you.
Ouais. Caribou, tu as fini par arriver jusqu'ici, Caribou. Qu'est-ce que c'était? Vous êtes humain? Quand j'étais encore humain, on m'a enfermé ici et je suis là depuis lors. Cette tour est une forteresse appartenant aux anciens souriers. Elle symbolise la vengeance exercée par les dragons contre l'humanité. Après la défaite de Sor, le sceau a été brisé et cette tour a fait surface. Aux yeux des dragons, nous, les humains, sommes des ennemis. Un être dont le cerveau s'est développé de façon anormale pour tripler de taille en l'espace de 3 millions d'années. Nous avons évolué à cette vitesse prodigieuse grâce à notre contact avec la flamme de Lavos. Dans un sens, les humains sont les enfants de Lavos. Nous sommes étrangers à cette planète. Maintenant, comment vas-tu te battre, Caribou?
Ah ouais. Je puis voter, c'est pour ça. Thank you.
Thank you.
Donc ça va être tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!